On n'est pas là, nous, pour faire des censures ou considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à partir du moment où elles sont ailleurs. Donc ça, c'est un principe assez général, hein. Ce n'est pas une vision aseptisée de la photographie, c'est la photographie dans toutes ses dimensions. Donc on regroupe, nous, des images qui sont dans ces collections, et le seul critère d'entrée dans Arago, c'est qu'une image soit dans les collections qu'on représente. Il n'y a pas de restriction autre que celle-ci. Après, dans les images qu'on présente par collection, on essaye que les images qui soient dans les collections présentent un sens. Par exemple, on restreint un accord avec les diffusions et les conservations qui nous mettent à disposition les images des multiples trop nombreux qui perturberaient la compréhension. Donc on a l'ensemble des images, on n'a pas de restrictions autres que celles qui sont liées à la simple lisibilité du site.